Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui sera peut-être comique. Mon mari m'a demandé de lui faire la lumière pulsée dans le dos. Donc, j'ai mon ustensile qui est prêt. Par contre, il faut que je lui rase le dos. C'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de poils qu'il faut enlever. Et tu peux parler, hein. Voilà, donc il y en a là, là. Donc je vois pas de ce côté. C'est peut-être vous le voyez pas parce que c'est à l'ombre. Et par contre, je voulais faire un petit truc. Alors je vois pas bien. C'est pour vous montrer le tatouage polynésien. Je trouve très joli. Voilà, donc ah mais il y a l'autre côté aussi, il y a des deux tatouages des deux côtés. Voilà, donc je vais attaquer avec mon petit rasoir pour voir si ça fonctionne bien. Ouais, ça a l'air, pour faire un petit peu dans les deux sens. Je vais essayer les deux rasoirs. J'ai deux rasoirs et celui-là, il n'a pas l'air de trop fonctionner, mais... Bon, je vous retrouve après. Voilà, donc alors du coup, j'en ai marre avec les rasoirs. C'est vachement long. Ça marche pas bien. Donc, je vais prendre le petit rasoir que j'ai acheté chez Lidl. Petit rasoir à pile. Voilà, donc j'ai pris mon petit rasoir électrique. À pile, pardon. Et bien, ça va hyper bien. Ouais. C'est vachement mieux quoi. C'est agréable, ça fait pas de bruit. Tu as mal? Tu peux parler? Il n'ose pas parler. C'est un grand timide face à la caméra. Enfin face. Là, il est dos à la caméra. Bon, je vais vous épargner tout le dos, surtout je ne sais même pas si on y voit bien. Je vous retrouve quand le dos est fait. Alors, je tiens à dire que ce petit gadget marche super bien. Super bien. Regardez. Hop là. Ah, il a des soubresauts. Ça fait mal? Il parle pas, il n'ose pas parler. Hop. Il y a des poils dans le dos, hein, quand même. Il y en a jusque dans les reins. Donc, si on fait une épilation avec la lumière pulsée, peut-être qu'il n'y en aura plus du tout. Parce que d'habitude, je lui fais les bandes de cire. Et alors, ça fait un peu mal quand je tire la bande. Voilà, donc je continue. Le dos est fait. Donc maintenant, je vais sortir le matos, mes lunettes. Je ne sais pas si je vais mettre les lunettes en fait. Ah, il m'a dit de mettre les lunettes. Donc, je vais tout brancher et préparer. Donc, il est prêt à souffrir. Donc, mais non, ça fait pas mal. Alors, voilà. Donc, j'allume. Et je vais mettre la vitesse, enfin le 4. Et je vais mettre automatique. Automatique. Il nous reste 998 675 flash. Donc, ah, c'est pas assez. C'est trop loin. J'en règle là. Et voilà, là, ça va très bien. À peu près. À peu près. Donc, je vais commencer par. Aïe, 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 Ah! aïe, aïe. C'est pas vrai! Aïe, ça brûle, oh. Ça brûle? Oui. Et là? Oui, ça fait mal. Est-ce que tu veux que je baisse Oui, l'intensité? ça Ah, brûle, oh. Il s'est douillé, les hommes. Alors, moi, je mets l'intensité 5 et lui. Allez, je rallume. Et je mets 2. On va tenter à 2. Alors, automatique. Parce que j'ai pas envie de me fatiguer à appuyer à chaque fois. Voilà.
Allez, on y va. Oh, mais arrête! Bah, ça fait pas mal quand même. Alors, t'as mal? Ça brûle. Ça brûle encore à deux? Tu veux que je mette à un? Oui, bon, on va mettre à un. Ah, c'est trop comique! Alors, bon, ah, faut attendre que ça s'éteigne déjà. Voilà, maintenant on rallume. Ben, ça ne peut plus s'allumer. Voilà, et je laisse à 1. Par contre, je mets en auto. Voilà. Et donc, je... Est-ce que là, ça va? Pourquoi tu as des soubresauts? Essaye de m'expliquer pourquoi. C'est pas possible que tu aies mal. C'est sans douleur. Il y a toujours des soubresauts, hein. Là, je fais le long de la colonne. Donc, c'est centimètre par centimètre. Il va me falloir 1000 flashs pour son dos. Ah, là, ça ne veut plus. Hop. Ah, il y a des poils qui sont passés à l'as, hein, quand même, au niveau du rasage. Je suis en train d'observer. Bon, je ne vais pas faire le bas. Je reprends par le haut. Et peut-être qu'on fera la différence après. Il a des secousses à chaque fois. Pour le retour, il faudrait quand même que tu puisses parler pour dire « Hoche la tête si tu as mal. » Tu as mal ? Oh, mais c'est pas normal, l'intensité, elle est une. J'ai l'impression d'avoir des aiguilles en feu dans le dos. C'est vrai? C'est peut-être parce que je viens de te raser aussi. Je pense. Parce que normalement, ça fait pas mal du tout. Donc là, je vais arrêter un peu la caméra. Alors là, je suis en train de filmer. Alors, il souffre. C'est horrible. Alors moi, quand je pense... Là, je suis à 1 sur son dos. Et quand je pense... Voilà. Ça brûle. Quand je pense que moi, je suis à 5 sous mes bras. Après, on dit que les femmes, elles sont sensibles. Et que les hommes... Il a une peau de bébé, pardon. Et que les hommes sont costauds. J'ai un doute, là. Ça me brûle sur le tatouage. Ah ouais? Sur le tatouage, ça lui a fait beaucoup plus mal, paraît-il. Alors, apparemment, là, tout va bien. Non, là, je ne suis pas sur le tatouage. Et là, je suis sur le tatouage, ça le brûle. Je ne comprends pas. Donc, la séance est terminée. As-tu souffert? Oui. Beaucoup, beaucoup? Oui. Même à vitesse 1? Oui. Il faudra le refaire 2 ou 3 fois par semaine. Ça ira ou pas? Hein? On verra demain. On verra demain. Maintenant, pour adoucir les choses, un petit peu de l'huile d'amande douce raffinée. On fait couler un petit peu. Et hop, après la douleur, un petit peu de douceur. Voilà. Bon, on a économisé combien là, du coup?
10 minutes. Par rapport à l'esthéticienne. Donc, le test sur mon amari est terminé. Donc, il trouve, il hésite hein, entre l'épilateur électrique ou la lumière pulsée au niveau de la douleur. Oui? Oui. Non, je te filme pas, je filme le truc. Voilà, donc il ne sait pas s'il y reviendra ou pas quand je lui ai dit qu'il fallait faire 2 à 3 fois par semaine. Donc, on retentera une fois et s'il faut, on fera l'épilateur sur les tatouages. Voilà, ben, je voulais vous faire partager ce petit moment de couple. C'est lui qui m'a demandé hein, de faire la lumière pulsée dans son dos parce que forcément, il a des poils et ça pousse vite et c'est pas très joli. Bon, en hiver, on s'en fout, mais en été, c'est pas joli joli. Voilà, ben écoutez, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce en bas, en haut, pardon, si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas, abonnez-vous à ma chaîne. Je fais un petit peu tout et rien en ce moment, mais ma chaîne est quand même axée sur le Compact Cook Pro, les recettes et d'autres petites recettes et d'autres petits trucs. Et... Ah, il y a Jana qui est là. Ah, ma chérie. Voilà, donc bonne fin d'après-midi, portez-vous bien.